Bonjour, bonjour, bonjour. Et 73, 51, de 14 km, 33, 01, Rémi. À fond la forme. Oui, j'entends ça, je vois ça en parallèle là, sur le web SDR là, d'Ottawa. Bon, en tout cas, tu passes bien là. Alors, 15h45, 15h50. Bon, pourtant, je m'entends dans le web SDR, mais de ton côté, là, sur point de calumet, ça n'a pas l'air d'être top. Ah bah oui, puisque là ça fait, alors attends, ça fait 3 heures là que je suis là en écoute là sur la fréquence. Hey, il y a du décalage horaire. Hein. t'es parti là complètement loin là. Là, mais pendant ce temps-là, j'ai commencé à travailler là sur tes vidéos. Et tu m'as pas donné toutes les infos. Donc, alors voyons si. Oui, non, mais je sais que tu l'as vu là dans les messages. Donc, il n'y a pas de problème, ça reste en attente. Ouais, QSL, la liste du 22, parce que le 21, je l'ai déjà. Et bon, puisque ça passe bien, le 21, il n'y a rien de plus, c'est tout. Il y a, c'est-à-dire, 3 vidéos moins celle de 2 secondes, qui fait que 2 vidéos, en fin de compte. Là, je l'ai perdu. Bon, apparemment, ça doit être que ça pour le 21. Bon, d'accord. Celle du 21, donc je peux la considérer comme clôturée, comme faite. Donc, le 21, de ton côté, tu peux supprimer. Pour le 22. Mis à part le fait que tu m'as pas donné la liste, il n'y a que 2 vidéos, c'est tout. Il y en a d'autres à venir. Ah ben alors là. Et je l'ai encore perdu. Excellent. Oulala là là là. Alors, ça, c'est le 21. Bon, le volume n'est pas très fort, c'est normal. Tac, là, on nettoie. Charlie Tango 552, Connecticut, USA, calling.
Oh là, ça y est, on a un déferlement. Il y a les squatteurs qui sont à nouveau là, quoi. C'est dingue comment un groupe s'octroie comme ça une fréquence au détriment d'un autre groupe. Ça donne pas envie d'aller chez eux, c'est clair. Déjà les mecs, quand on arrive sur un groupe, on se renseigne. C'est sûr que la fréquence est libre. Il n'y a pas de droit d'appartenance comme vous le faites. Donc la fréquence est libre. Quand on arrive sur une fréquence, la moindre des choses, c'est de regarder. Quand même, c'est un minimum. Avoir l'esprit OM. Visiblement, c'est pas votre cas. Dommage. T'as vu que là c'est monté d'un coup là au niveau propag. Ok, je viens de voir la liste. Bon, ben là, je suis en train de charger la vidéo du 21 sur la clé USB pour pouvoir la mettre en ligne. Je récupère la liste du 22. Je finalise la vidéo du 22, je lance le travail et puis allez, travaille à la chaîne. Quoi? Thermolactyle? J'ai pas entendu. J'ai rien. Ni d'un côté ni de l'autre.
du mal à te sortir, Pascal, parce que j'ai beaucoup de QAM, ce qu'on dit ce matin, là, beaucoup de bruit de fond, là. Et puis, c'est pas facile, facile, mais en fait, la prochaine nous favorise la cause. Les 73-51 Pascal, 14 km 33-01, Rémi, bonne route, bon pro, je t'entends pas du tout de mon côté. Ouh, ça marche bien. Oui, c'est vrai que là, ça passe bien, là. La vache. C'est une super radio de 5, et là je peux te faire un report de micro. Là c'est nickel, pile poil, ça passe super bien là. Et puisque là ça passe bien la seconde même, dans tes vidéos, quand tu entends de l'écho, ça peut pas venir de ton propre micro, c'est pas possible. C'est forcément le réglage que moi je fais derrière, comme ça pour te faire plaisir. Hein. Si tu en veux pas, j'en fais plus, c'est tout. Mais pour bien écouter, là tu le verras dans la vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Là c'est propre, c'est net. S'il y a un écho, il est vraiment infime, juste de quoi relever la radio, ni plus ni moins, c'est propre. Oui, c'est non, je sais que sur mes vidéos, c'est normal que tu mets un peu d'effet, mais sur ces vidéos, je n'étais pas certain que tu mets de l'effet aussi, ou si c'est l'effet de mon microphone, Rémi, c'est pas... Il n'y a rien du tout, là, c'était juste pour essayer de voir... Ok, alors je monte le volume. Vas-y, je refais un passage. Voilà, il est nickel. Il est nickel, je l'ai entendu un petit peu, en plus de ça, c'est le genre de réglage que normalement il doit y avoir sur le mien. Si des fois tu arrives, normalement ça doit être pareil pour le mien. Il doit y avoir juste un petit filet d'écho. Si je fais écho, écho, écho. Ouais, là comme ça, là tu as dû entendre quelque chose peut-être sur le mien. Normalement, oui. Mais bon, le réglage que tu as fait, c'est exactement le réglage que je cherche à avoir sur le mien. Oui, c'est bien. Le volume aussi, hein. Quand ils ont le volume, ça augmente aussi les coûts, là. Attends, excuse, j'étais en train de dire bonjour à la voix des ondes. Oui, alors c'est pour ça que sur mes vidéos, t'entends un léger écho de moi, mais seulement moi, parce que j'ai tendance à parler trop fort dans le micro. Donc forcément, le volume fait en sorte que ça me fait monter l'écho que moi je rajoute après, en plus, sur le montage de mes vidéos. Mais toi, dans mes vidéos, l'écho que je rajoute n'a aucun effet. C'est le volume étant plus bas, c'est vraiment tel que ça arrive là de mon côté, quoi. Je vais y arriver. Oui, c'est terminé. 59 plus 20 dB, là, que les derniers passages. Oh la vache! Oh bordel! Je crois que j'ai pas trop fait attention, mais il me semble que c'est du Santiago 7 là de mon côté. 7. Oui, Santiago 7, confirmé.
Alors, en début d'après-midi, par là, j'ai entendu 9 Alpha Lima 001. Il passait très bien de mon côté, Santiago 9. Il était en QSO avec la Belgique, je crois. Donc, j'ai pas dérangé le QSO le temps d'eux. Et quand la Belgique, si j'ai bien compris, est passée en QRT, alors j'ai voulu lui envoyer le bonjour. Et là, au niveau propag, mais ça a plongé direct. Jusqu'au moment où Ebeta a apparu. Des fois ça arrive vite, hein. Des fois ça arrive presque vite. Vers nature, là, est surprenant des fois. Oui, comme tu dis, oui. C'est ça part un petit peu comme ça, comme ça l'a envie, quoi. Attends, excuse-moi, j'ai pas suivi là. Oui, j'entends ça là derrière. Tourne ton antenne verticale de leur côté pour mieux les entendre. Dans ta journée. Ouais, on arrive proche du 2000, on s'approche du 2000. Attends, j'ai pas compris, hein. Oui, excuse-moi, là, j'étais ailleurs, j'ai pas compris. Parce que qu'est-ce qu'il y a en février? J'ai pas compris. Ouf. Oui, non, mais n'importe quoi, moi. Oui, non, mais... Oui. Ah, c'est vrai que là, vu que t'as pas mal de QRM, là, aujourd'hui, ça te rendrait bien service, hein. Parce que là, c'est vrai que, je vois, moi, là, au QRA... Bon, après, c'est... moi, le problème, il doit être ailleurs, quoi. C'est... Quand je te fais répéter comme ça, parce que pourtant, ça passe, hein. De la boîte, hein, qui passe ce soir me voir là pour l'entretien professionnel. Oui. 21h30 par là. Quoi. J'aurais préféré qu'il m'oublie, quoi. C'est bien. Oh oui, tiens. J'ai pas regardé, dis-moi. Ok, j'irai tout à l'heure. Bon, voilà, le travail de la vidéo de... Alors, le travail de la vidéo du 21, bon, lui, il est déjà fini. J'ai fini tout à l'heure, il est sur mon ordinateur, prêt à être mis sur YouTube. Et là, je viens de lancer le travail de la vidéo du 22. Et voilà, il est terminé. D'ailleurs, je crois que je vais attaquer là de suite la mise en ligne de ta vidéo là du 21. Oui.
jours qu'on n'a pas entendu le petit renard. Il y a que quoi? Ah oui, tiens, c'est vrai. Oh oui, il doit pas être loin. Il doit être dans un terrier quelque part ou en train de sauter dans la neige. Oui, oui, mais c'est vraiment très, très, très QRP, hein. C'est à peine audible. Attends, je vais enlever le filtre pour voir. Ouais, sans le filtre, c'est faut vraiment chercher la petite bête pour arriver à sortir quelque chose. Mais bon, avec, là, je l'entends vraiment, vraiment, à peine, à peine, à peine. Ouais, au fond de la boîte. Oui, j'ai entendu mon nom là-dessus. Oh, pas si sûr. Avec toutes les vidéos que tu fais, t'es un peu connu. Ah, j'ai entendu siffler. Ok, ben moi j'ai mon petit 4 heures, moi qui est là, qui m'est arrivé au bar. Alors j'ai un gâteau, c'est quoi? C'est un... Oh, c'est bon ça. Oh oui, c'est bon ça. Eh bien tiens, et plus le cappuccino à côté. Ok, à tout à l'heure, sinon à plus tard. Oui, c'est un poids long, c'est un poids long. C'est vraiment avec le bon whisky. Oh oui, oui. Alors, le bon dosage, je crois que c'est plus de whisky que de café, hein, c'est ça, hein. Eh bien, tu réchauffes le whisky. Je le réchauffe, je le réchauffe en même temps. Ah, faut se tenir solidaire, tu as raison. À tout à l'heure. Ça va bien, mon ami Gilles, 73 à toi et à la famille, comme dans tes côtés, là. Voilà. Bravo, Charlie 555, 14 novembre, Victor 559. Le petit renard qui sort de son terrier, tu vas bien, Gilles? De retour aussi, les 73, le petit renard. Ah, t'es là, Rémi, 73, Rémi. À toi, si au cuirat, comment tu vas, Rémi? T'as passé un bon dimanche? Ah, à fond. Ouais, ouais, ben pour une fois, j'étais en repos, donc ça m'a permis de faire autre chose à la maison, quoi. Oui, un peu de repos de temps en temps, ça t'a permis de faire ça, comme tu dis, à la maison, ça fait du bien, un peu de repos. Et toi, Gilles, comment vas-tu? T'as passé un bon dimanche, Gilles, à toi? Oui, on a fait sortir Christian. Alors, on ne peut pas attendre pour 12 jours, là. Je ne sais pas ce qui est arrivé, qu'on va faire 5 ici, là. Oui, ça fait du bien de te relaxer avec ta femme, un petit peu canapé, la télévision, le café. Ah, Gilles, oui, tu m'en diras le meilleur. C'est tout bon pour toi, hein.
Aujourd'hui, le temps est tout gris, pas de soleil. Ouais, hier, on avait des moins 2, ce matin, moins 1, et actuellement, on est à un petit, tout petit degré. Vente ouais. Nord assez glacial, QSL, Gilles. Ouais, Gilles te disait que là, il t'avait pas entendu là depuis deux jours, et il commençait à s'inquiéter. Ah, il s'inquiétait, il avait perdu son petit renard, et il est là. Oui, on s'est pas donné samedi dimanche, non. J'étais en repas du village, tu vois, de Nouvel An, là, Saint-Armé, quoi. Ils nous payaient un goloton gratuit. Voilà, voilà, alors on en a profité, tu vois, Gilles, alors pas de radio hier. Mais là, cette semaine, c'est bon. Si la propagation le veut, on s'entendra tous les après-midi, tous les tantôt, de mon côté, Gilles, QSL. Oui, QSL, QSL, ouais, nous, ici, là, on va atteindre le 0 aujourd'hui, là. À midi, ici, là, à midi, le souffle, il doit être à 0, puis 20%, je veux dire, c'est nuageux, un peu de soleil, mais puis, on n'est pas prêt à cette température-là pour le mois de janvier. Oui, 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 d'accord, vous n'êtes pas habitué à ces températures-là de janvier, là, 0 degré, c'est pas beaucoup, hein, nuageux, un peu de soleil, hein. Nous, c'est pareil, tu sais, moins 2, aujourd'hui moins 1, c'est pas glacial, c'est pas des grosses gelées, des grands froids, hein, loin de là, hein, il fait, bon, voilà, hein, que veux-tu faire, c'est comme ça, hein, c'est le chamboulement, le temps qui est plus comme avant, hein, il n'y a plus rien qui va, même le temps, qui est celle une. Oui, c'est la normal, Christian. Quelle température vous avez en temps normal, seul, toutes les années, c'est ici? Oui, je vais te répondre aussi au mois de janvier. Normalement, oh, ça fait au moins 8 ans qu'on n'a pas eu d'hiver. Hein. Sinon, c'est souvent moins 6, moins 7, moins 7 jusqu'à moins 8, même les moins 10, hein, j'ai connu. Mais là, depuis au moins 8 ans, il va te le confirmer, Rémi, tu sais. Non, on n'a plus d'hiver, hein. Non, il fait relativement rendu. Hein. L'an dernier, pareil, on a eu 4 ou 5 jours, tu vois, des petites gelées à moins 1 ou moins 2 ou comme ça. Ouais, après, il gèle au mois d'avril, tu vois, au printemps, là. Hein. Des fois, on a des coups de moins 3, moins 4, alors là. Imagine-toi le travail, hein, les arbres fruitiers, les fleurs, là, ça tombe, ça grille, et il n'y a plus de fruits, voilà, voilà. Non, on n'a plus d'hiver comme avant, c'est un peu dire de grand froid, là, hein, que c'est le Gilles. Oui, c'est un peu spécial cette année, hein. Il y a des accords un peu partout là, sur la planète là, cette année, là, puis qu'on va rester dans les sourires. Oui, c'est un peu spécial là, cette année, comme nous, hein. Il va te dire, Rémi, là, au mois de décembre, on avait des températures l'après-midi, hein, 18-19 degrés, hein, décembre, hein. L'an dernier, non, c'était plus bas, hein, mais cette année, c'était exceptionnel, hein. Fin 2022, et là, janvier, bon, comme petit froid, mais c'est pas excessif, là. C'est pas vraiment de grandes températures négatives. À toi, Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que la fourchette de température que tu as donnée, elle est pas mal, mais c'est vrai que pour les températures les plus basses, je sais que là, moi, de mon côté, ça va pas en dessous de moins 6. Allez, au plus bas, moins 8, mais ça arrive combien de fois? Allez, on va dire sur 1, 2, 3 jours. C'est tout au plus. Autrement, oui, effectivement, c'est entre moins 2 et moins 2 et 6. Ouais, c'est ça, oui, entre moins 2 et 6, en principe, hein, dans la moyenne. Mais là, cette année, c'est particulier. Ça fait, là aussi, ça fait le yo-yo. Hein. On passe du printemps à l'hiver et ça fait ça sans arrêt. Ouais. C'est, voilà. Là, en ce moment, là, oui, on est dans l'hiver. Il y a quelques jours, on était au printemps et c'est vrai que je vois du côté de Gilles, moi je me souviens, moi quand, pour la petite anecdote, c'est le précédent cycle de Propag, quand eux allaient sur le lac glacé, le lac gelé, là, pour faire leur expédition Sibi et pêche en même temps, il y avait des coups de moins 25, moins 30 dans ces eaux-là, quoi.
Alors, quand tu vois aujourd'hui les températures qu'ils ont, tu te dis, mais il y a un problème, il y a effectivement un problème quelque part. Alors, malgré ça, ils nous disent que la couche d'ozone, le trou de la couche d'ozone s'est refermé là sur le pôle Nord. Alors, le trou, il s'est peut-être refermé, mais il y a autre chose qui s'est ouvert, par contre, hein, pour laisser passer la chaleur comme ça. Quoi. Oui, Rémi, oui, bien d'accord, la couche d'ozone, il y a un trou. Ils se seraient refermés, mais moi, j'y crois pas. Hein. Ils te racontent ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Il y a autre chose qui s'est ouvert, On est bien d'accord, oui, normalement, les hivers, c'est nos gilets, comme dit Rémi, moins 6, moins 8, hein, voilà. En 2010, même quand je travaillais là, en 1970-80, là, c'était un mois et demi, deux mois, tu vois, et je l'ai tous les jours, hein. Plus ou moins, ça variait, moins 4, moins 5, moins 8, tu vois. Mais toujours les moins 4, hein. C'était déjà gelé, les terres étaient gelées et tout, hein. Tu ne pouvais pas récupérer certaines choses dans ces années-là. J'étais à la campagne avec des parents, là, il y avait une ferme. Les cochons, on récupérait des navets et tabaga, c'était gelé, on avait du mal à sortir de la terre. Hein. Maintenant, ça fait des dizaines d'années qu'on ne connaît plus ça, hein, Gilles. Voilà. On avait de l'hiver, digne de ce nom d'hiver, mais voilà, ça serait mieux comme avant, mais maintenant, on fait avec, hein, c'est comme chez toi, hein. Ça fait du yo-yo à toi, Gilles. Ouais. T'as pas de souvenir, tu as marqué sur ton cahier de trafic là, 2023 janvier 0 degré. Ce 23 janvier 2023. C'est pas mal, 23 et 23 janvier, ah oui. Bon, il y a des choses, des jours comme ça là, bon, ici là. Oui, dans les années 2010, quand se causait là, ils annonçaient 15, moins 15, moins 20, moins 30, ouais. C'est tout à fait pour le Canada normal, hein, de moins 20 à moins 30, mais c'est plus ça, hein, je pense que février peut-être, mais ça m'étonnerait que ça revienne, hein, comme. Tu as connu, là, Gilles, on verra ça en marchant, à toi. Oui, c'est elle va qui se rentrer. Mais je pense que l'hiver va être un peu plus long. C'est comme si tu viens, là, c'est comme si on était à peu près un mois et demi, là, en arrière, comme sur la température. Oui, Gilles, après, ben, il n'y en a pas de printemps, hein, de joli printemps, hein, vers le 20 mars, normalement, on a du soleil, de la chaleur, c'est ça qui revient, là, 20 degrés ou comme ça, hein, 15-20. Mais après, l'hiver se prolonge, c'est long, hein, il fera peut-être aussi froid que maintenant, même au mois d'avril, des fois, jusqu'au mois de mai, il fait froid, Gilles, hein. Ouais, il faut se chauffer dans la maison, c'est cher, hein, c'est pas normal, hein, voilà. Ouais. Bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire. Avant, c'était différent. C'était bien différent. Les quatre saisons que nous avions, comme chez vous, c'était bien marqué, hein, Rémi, à toi. Ah, ouais, j'ai entendu quelqu'un derrière. Oui, je me souviens, moi, étant QRPP, c'est vrai que l'hiver, c'était l'hiver. Enfin bon, j'étais pas sur la région, hein. J'étais sur le centre-France, du côté dans l'Indre-et-Loire, département 37, au nord de Tours. Et je me souviens, l'hiver, c'était l'hiver. Il y avait la neige, on avait tout, il y avait la totale. Et l'été, ben, ça cuisait, hein, comme en 76, par exemple, où là, waouh, là, c'était même la canicule, hein, 76. Mais l'hiver, il avait été tout aussi puissant aussi. Ouais. Mais là, là, c'est vrai que maintenant, c'est avec des différences de température, bien sûr, entre les saisons, mais c'est un petit mélange des quatre saisons sur une année. Hein. On passe de l'hiver à l'automne, au printemps, on revient en hiver et ça fait le yo-yo, là. Ouais.
Et l'année dernière, on passe aux 4 saisons, t'as tout dit, 700 Rémi, voilà, bon, ben voilà, que veux-tu faire, c'est comme ça, hein. Voilà, voilà, ouais, ça a bien changé depuis que, oui, t'étais dans le département 37, là, oui, que t'étais très très jeune, ah oui, moi, je me rappelle les hivers, hein. Il faisait froid, trop trop froid. Moi, j'étais vide de mon service militaire en 1978, là, à Orléans, hein. Ben, je peux te dire que l'hiver, il y avait 60 cm de neige. Ouh, là, cette neige, et puis un froid terrible. Voilà, mais ça a bien changé, hein. Voilà, voilà, c'est pas loin, loin, mais tu vois, ça a changé les hivers à toi, Gilles. Oui, parce que quand j'étais jeune, dans les années 80, et puis il tombait là aussi d'un maître, un bon maître de nuit, là, à tous les hivers. Whoop. C'était ce qui s'est passé là, avec la photo, là. Bravo Charlie 555 et Rémi là sur le 33, mais le département comme moi, 33. Christian, la région de Bordeaux, 73, à la 116 avec ton prénom à toi. Ok, ok. Ah ben, je croyais que vous étiez à l'autre division. Ok, c'est la 38, ok. Ben, bonsoir, bon Cléso, ici c'est l'opération cinéma. On a vu déjà un petit Cléso, ok. Ah ben, excuse-moi de déranger. Ben, la prochaine, quand on va arriver, je vous dis peut-être à l'autre division. Ah ben, je sens que oui, d'accord. C'est Liman, oui, c'est Liman. C'est contacté ce matin, la Turquie, là. Oui, ça m'en vient, le pays. La Turquie, c'est Liman. 73 de l'après-midi chez moi, il est 16h passé, là. Content de t'écouter, c'est Liman, ouais, ouais. Je suis avec la division 1, mais tu n'entends pas. Voilà, c'est dommage pour toi, et c'est Liman, là. La Turquie passe encore bien cet après-midi de mon côté, c'est Liman, ouais. Bon, ben, je vais voir Gilles, peut-être qu'il t'a entendu, hein, à tout hasard, on sait jamais, sur la division 9, là, Gilles. À toi, le Québec, pour Céliman, la 116, la Turquie. Ouais, Christian, il y a du bruit sur la fréquence, voilà. Ouais, tu vas te reposer un petit peu, puis reviendra à Gilles quand ça sera meilleur, c'est Christian. Bon, mais 73, bonne journée, et puis peut-être pas plus tard, hein, dans une heure ou comme ça, peut-être, si c'est meilleur pour toi. 73, toi, au fur et à la famille, et puis le plus 30 ans, à bientôt, Gilles, retour Rémi. Ok, ouais, et j'entends ça sur le web SDR qu'il y a de ce côté là sur Ottawa. Il est complètement submergé par les stations. Et ça pousse hein, de son côté là derrière. Ok Christian, on est 73-51. C'est vrai qu'en direct nous on les entend pas, mais vu que j'ai en parallèle justement là ce web SDR là une oreille dessus, c'est là je comprends de suite là tout à fait là qu'ils n'entendent pas correctement, loin de là. Ok Christian, on est 73-51, à plus tard. Ah d'accord, ok, je connais, là, parce que là, vu comment ça bombarde là sur le web SDR, pour moi là t'étais complètement submergé, t'arrivais plus à nous entendre. Je pensais ça toi. Hein.
Alors pour toi, ça a chuté un petit peu, effectivement, mais du côté d'Ottawa, par contre, ça a largement monté. Hein. Hop là, un demi-point je l'ai eu là, c'est le dernier passage. Gilles, si tu m'entends, combien tu reçois le petit renard? Mais je crois que là, la question se pose même plus. Ça arrive pas fort, par moment, c'est fort, par moment, ça baisse 55, 55. À tantôt, au plaisir, bye bye à toi. Ok Gilles, il te retourne tout ça. Oui, je le fais aussi. La station, c'est là où ils appellent pour qu'il en avait le service, s'il vous plaît. Je l'ai entendu dans le web SDR, mais là ça passe plus. Hein. Ouais, il est parti ou la propague a tourné, peut-être plus. Alors j'ai entendu un OM dire, j'ai juste entendu le mot QSO. Là, dans le web SDR, je sais pas, la station qui a parlé de QSO, peux-tu nous, pouvez-vous nous revenir? Ben non, il peut pas. J'étais justement en train de me dire, tiens, il y a encore de la vache folle qui passe. Ah ben t'as de la chance parce que là de mon côté par contre ça commence à baisser. Oh, on a un appel à la prière là derrière. Thank you.
Oh, ben ça y est, c'est parti en porteuse musicale. Gilles, tu m'entends? Attention, Gilles. Bon, attention Gilles. Ok, attends, il y a un petit peu de surmodulation, j'attends que ça passe. Ok, je crois que... Attends, deux secondes. Bon, ok, visiblement, je passe par-dessus. Gilles, j'ai pas mal d'occupations, là, de mon côté. Plus après, tout à l'heure, dans 1h20, là, je pars au travail. Je vais te laisser, là, je vais vite, là, m'occuper de mes trucs et tout, ça. Donc, je t'envoie les bottes 113-51, et à plus tard. Ok, merci, à plus tard et bonne journée. I got it.